Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour le défi numéro 3 sur PUBG. Un défi donc bien sûr avec FoxDie. Bonjour. Un défi qui a été voté par la communauté. Vous avez été plus de 100 000 à pousser du bleu sur l'épisode précédent. Non, je déconne. Les épisodes sont pas encore pas. Je fais une Squeezie, ça va, calmez-vous. Donc le défi c'est tuer exclusivement en bagnole les gens, enfin en bagnole, en véhicule les gens, quel que soit le véhicule. Arrête de 30 toi, arrête de 30 c'est ridicule bordel. Et arrête de te suicider en moto s'il te plaît. Donc, donc uniquement tuer des gens avec des véhicules. Ou en étant dans des véhicules, peu importe, hein. C'est-à-dire que le véhicule peut être immobilisé, sortir son sniper et tuer quelqu'un. C'est valide. Et sinon, si on est en pied, c'est uniquement au pistolet. Voilà. Ouais, donc en dehors du véhicule, seulement au pistolet et aux grenades. Hein. Ouais. Mais et en véhicule, bah avec le véhicule et toutes les armes. Toutes les armes sont autorisées en véhicule, ouais. Exactement. Qu'est-ce qu'on ferait? Où est-ce qu'on tombe? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on va pour rien là? Bah le truc où on a une chance d'avoir un endroit où on a une chance d'avoir un véhicule. Genre Lipovka, genre au nord de Lipovka, genre par là, tu vois. D'accord, par là, tu vois, là où il y a des grosses fermes. Ouais, voilà, pareil. Ouais, c'est très bien. Je garde mon point pour nous donner un peu la direction. Ok, mon point, c'est le point de chute. Et, ouais, c'est le point de chute. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. D'ailleurs, je vais sauter maintenant. Maintenant. Et bah go, c'est parti. Hein. Moi qui loot jamais des flingues, et bah. On va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Et je te jure, c'est à ce moment-là que je vais pas trouver un pistolet. Un pistolet? Ah, je vais pas trouver un pistolet. J'impacte les maisons du haut. Ou non, t'es déjà sur les maisons du haut? Je suis déjà sur les hauts, ouais. Il y a du monde. Il y a du monde sur les mêmes maisons. Tu les vois à ta droite. Ah oui. Il y a un petit paquet de mecs. Bon, qu'on rejoigne. Je descends, je vais impact plus bas. Hein. Ils sont tous les deux sur. Ils sont en bas. Ils sont tous les deux là. Remonte, moi je te le propose. Je te propose. Bah, trop tard, moi je suis sur un mec. Allez, je l'ai eu au point, c'est valide. C'est valide. C'est valide, ouais. Et il a un point rouge, c'était bien. Vas-y, remonte, il y a son pote qui a sûrement une arme. Ouais, bah c'est bon, tout ça, c'est tard, il m'a eu. Alors, il se pointe avec un AK, on est dans un couloir. Allez, salut. Voilà. Bon, c'était bien. On va faire un autre lobby, on va la réranger. Mais non, tu vas la jouer, hein. T'as pas le choix, t'es tout seul, tu vas la jouer comme un glandu. Eh, c'est des aléas de la vie, hein. Alors, de toute façon, hein, vous n'êtes pas à l'abri que ce soit des défis qui vont revenir à 3, à 4, à 15 ou à 175. Sur les games d'événements, c'est tout à fait possible que sur les games d'événements on fasse des blaireaux. Ça recharge. Ah ouais. Et comme bien entendu, je pense qu'à un moment donné, on va jouer un défi que j'aime bien aussi, qui va être le défi pompe. Des fonds, le défi uniquement au calibre 12. Ah putain. Ah, quelqu'un est rentré. J'avais pas mon arme de poing chargée. Bah le touriste quoi. Bah je viens de me mettre l'arme de poing que les rentrées et je l'avais pas chargée. C'était une bad game non? Des épisodes courts et intenses. Là y'a pas besoin de montage je crois. C'est ça. Ah celle-là on la refera je pense. À plus.